Allez, on rentre direct dans le vif du sujet, se remplir le bidou. Et pour cela, quoi de mieux que des brochettes si tendances dans cette période estivale? Et nous sommes au premier plan de la soirée, le mokai. Donc le mokai, je connaissais pas du tout en fait. Et donc c'est un petit peu excentré de la ville, mais bonne surprise. Bien contente d'être là ce soir. C'est assez original, c'est très lounge. Au début, quand on rentre, ça fait très épuré, tout ça. Les assiettes copieuses, super présentation. Première impression bonne, la déco super sympa, design. Ouais, super stylé, super sympa. Hey, j'ai pris en entrée du saumon. Alors, le saumon super bien assaisonné, parce que ça, c'est très important. Une petite salade avec des crevettes, vraiment un petit assortiment. Voilà, fondue au chocolat, voilà, top. On s'est régalé. En plus, quand c'est accompagné de musique, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, ouais. Super chanteur. En fait, on se laisse porter, alors que quand on rentre, c'est plutôt, on est là, on se tient bien et tout. L'accueil super, hein, l'accueil vraiment chaleureux. Il y a beaucoup de douches de bois, de nature, je trouve ça très zen. C'est vrai qu'au niveau de la décoration, pareil, on s'y sent extrêmement bien. C'est très épuré. Un lieu où vraiment on a envie de passer du temps, de manger, d'écouter de la musique, de s'amuser avec des amis. Je pense que pour un petit resto, pour passer une soirée agréable, c'est plutôt bien adapté, une ambiance pour s'amuser plus que pour manger. Mais on a quand même bien mangé, ça va, et puis l'accueil a été très très chaleureux, donc quand même un ensemble assez sympa. J'ai très très bien mangé, effectivement. Je dirais peut-être quelque chose en plus par rapport aux noix de Saint-Jacques. Elles étaient sublimes, les meilleures que j'ai mangées. Non, vraiment, c'était très très bon, oui. Les brochettes, un peu trop cuites, c'est dommage. Mais après, dans l'ensemble, il y a une générosité certaine avec beaucoup de foie gras sur les assiettes. C'est vraiment quelque chose de génial. On est vraiment dans un lieu très convivial. On a l'impression d'être chez des potes, en fait. C'est un concept que j'ai mis en place donc il y a à peu près un an jour pour jour aujourd'hui, puisqu'on vient de le fêter. Concept de brochette qui consiste à choisir donc deux brochettes au choix, viande au grill et poisson à la plancha. Quand j'ai repris cet endroit, qui était un bar à tapas à l'époque, j'avais besoin de casser en fait l'espace et de pouvoir faire que les gens se sentent assez à l'aise et qu'il y ait des coins intimes. Je suis amateur de vin et c'est vrai que j'ai inspiré ça d'un concept sur Bordeaux où j'étais rentré dans un restaurant, la vinothèque était assez imposante et prenait place dans le restaurant, et je trouve que ça donne un vrai cœur au restaurant. Bon, et pour pas faire l'ambiance, ce soir il y a un petit groupe, le Gotha, qu'on connaît bien. Le Gotha joue très souvent au Mokai, notamment trois vendredis par mois, puisqu'on a une chanteuse qui vient jouer accompagnée d'un pianiste aussi. Donc lui est accompagné de son sax et l'ambiance piano-bar, c'est tous les vendredis soirs. Voilà. Vous êtes prête pour partir autre part? Allez, ready for the show!